Hello, je viens de finir de tourner une vidéo, il est actuellement midi, on est samedi, putain je regarde les retours caméra, I'm so sorry. On va vlogger, ça fait longtemps qu'on n'a pas vlogué par ici. Aujourd'hui on va visiter Paris avec Jodie, une copine de l'IAE, et puis je vous amène avec moi, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas vlogué sur cette chaîne. Waouh, ce soleil, direction Montmartre, il y en a pour 45 minutes, c'est long. Attendez, il s'est passé un truc de fou. Je vais rejoindre donc Jodie, je cherche la bouche de métro et j'entends des gens qui parlent dans un genre de mégaphone, genre on s'est dit mais quoi? En fait c'est McFly et Carlito qui tournent une vidéo à côté de chez moi. Je vous avoue j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait parce que vraiment je suis déjà en retard. Vivre dans Paris c'est ça quoi? C'est vraiment il se passe des dingueries tous les 4 matins. Comme back, nous avons rejoint Jodie à Montmartre. Moi je transpire actuellement parce que la montée pour ici, en fait, heureusement qu'il est midi et pas 8h du mat, sinon moi j'aurais fait un AVC, une crise cardiaque. C'est pas trop ce qu'on va faire, boire un café, voilà, et après on va au Louvre. Ça c'est chouette. Incroyable. On a marché du coup de Montmartre jusqu'au Louvre. Ce que je dis à réserver du coup pour qu'on y ait entre 15h et 15h30. Donc là gros visiter, on espère qu'il n'y a pas trop de queue. Parce que flemme. On vient d'arriver dans le musée. Ah oui ça c'est trop beau. C'est ma partie préférée. Ouais c'est trop bien. Appartement de Napoléon, c'est très grand de dame, très chic, très lustre au plafond, très moulure au plafond aussi. Il avait pas peur des moulures lui Napoléon. Faut savoir qu'on a fait deux fois le même tour des appartements de Napoléon, on est perdu. On essaye de sortir de ce côté du Louvre, mais c'est pas un grand succès. Donc là on regarde des peintures, mais on sait pas comment s'orienter dans ce musée. Update, on a pris un plan pour trouver les momies, parce qu'on est perdu. Depuis trop longtemps, c'est où cette affaire? Là on est où? On est pas riche dans Richelieu, on l'a déjà fait non? Non, on est à l'opposé de Richelieu là. Ça c'est pas des momies? Si c'est ça. Hop, en pleine expédition. On n'a toujours pas trouvé les momies. Là, je comprends pas où on est là. Non mais là tu t'as compris où est-ce qu'on était? En fait on est dans le pavillon de l'horloge. C'est un truc qui parle du Louvre. Mais moi c'est pas ça que je veux. Moi je veux des gens. Les pharaons genre. Peut-être que tu peux 3 jours. Ah ouais, non mais c'est abusé. On a trouvé l'Egypte. Mais la bonne Egypte, parce qu'il y a plusieurs Egyptes. Bah ça en vrai, c'est des momies meuf hein. Derrière. Bah il y a des tombeaux de momies quoi. Bon, je sais pas si on a fini de voir les momies, mais c'était sympa. Hein. Par contre, moi j'ai mal au yep. Alors, ça fait 2h30 qu'on est dans le musée et qu'on fait le tour. Alors on est back dans le début du musée, on va sortir parce qu'il va bientôt fermer. Et tout à l'heure moi j'ai vu qu'il y avait Cédric Grolet, le pâtissier, qui est pas très loin, parce qu'il est pas loin du Louvre. Du coup avec Jodie on aimerait bien tester ça. Donc on sort, direction la pâtisserie. Voilà, on va tester ça, faire un crash test en direct. Sachez que Jodie a fait des TikTok très drôles dans le Louvre. Il faudra absolument que vous voyez ça parce que vraiment je pense que ça peut être hilarant. Voilà. Enfin, je le mettrai en barre d'infos quoi dès que tu l'as posté. Ok, ce sera. On s'est donné là. Non, mais là on s'est donné. Là on a donné notre personne. C'est hyper drôle. Ils sont tous. Oh, je le fais, s'il te plaît, quoi, je le fais celui-là. Je le fais. Chaud. Je suis chaud. Vous allez voir ce qu'on fait, le concept. Donne-moi tes affaires. Oui, c'est trop bien. C'est bon. C'est bon. Regarde ce que ça donne. En fait on a reproduit plein de statues, tableaux, tout, c'est hilarant. J'adore ce concept. Du coup Cédric Grolet, trop de queue, trop long, finalement on n'a pas fait. Donc on testera une prochaine fois, peut-être un dimanche matin, il y a moins de monde, mais là
ça est fermé, il y avait une queue d'une demi-heure, flemme. Du coup on s'est juste pris des trucs à boire, ouais il y avait plus rien. Et genre que des cookies je crois, flemme. Mais du coup là on va se poser dans un parc pour boire et s'asseoir. Parce qu'il est temps que cette journée s'achève. C'est bon ou pas? Est-ce que tu trouves ça bon? Bah en fait dans ce soir-ci, oh putain oui. C'est débile de tapioca. Je comprends pas le concept. Je suis coincée dans mes doigts. Moi je préfère les perles qui éclatent dans la bouche là, dans les bubble tea. Mais c'est pas le cas là. Moi j'ai pris un... Il appelait ça une sangria limite ou je sais pas quoi là. Et là on s'est posé dans le jardin, c'est quoi le palais royal? Le jardin du palais royal. C'est stylé. Je viens de rentrer chez moi, je vais finir ce vlog là. Et voilà, j'espère que ça vous a pu passer la journée avec moi. Je suis éclatée, j'ai faim, mais c'était très chouette de pouvoir visiter Paris et de juste profiter comme une vraie touriste parce qu'on prend pas assez le temps, je trouve qu'on venait à Paris de faire ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve bientôt avec une nouvelle vidéo. Bye !